Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve au parc Borély à Marseille et je vous propose un challenge pour se sculpter des fesses toniques, rebondies et des jambes ultra fines. Allez, premier exercice de la première série, c'est 30 squats. On se place debout, le dos droit et les jambes sont écartées largeur des épaules. On fléchit les deux jambes en tirant bien les fessiers vers l'arrière. On peut également s'aider en croisant les mains devant. On pense à bien pousser les genoux vers l'extérieur et on s'arrête lorsque les cuisses sont perpendiculaires aux mollets. Alors cet exercice est excellent pour tonifier les cuisses. Pensez à bien pousser les fesses vers l'arrière comme si vous alliez vous asseoir en fait. Pour toutes celles qui se demandent qui est cette jolie demoiselle à mes côtés, ben c'est ma copine Chloé. Donc c'est une folle de fitness. Elle a récemment ouvert sa chaîne YouTube et je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On inspire bien sur la descente et on expire sur la montée. On garde le dos bien droit, les genoux fléchis ne dépassent jamais la pointe de vos pieds. D'ailleurs, je ne vous dis même pas à quel point il faisait chaud cet après-midi-là. On n'en pouvait plus, mais le cadre est tellement magnifique qu'on était obligés de tourner ici. Allez les filles, on a bientôt terminé. Plus que 10. 9. 8. Allez, on tient le coup. 7. 6, 5, 4, 3, allez, je sais que ça brûle, 2, et le dernier. Deuxième exercice, les fentes. Donc debout, les pieds écartés environ largeur du bassin, le dos est bien droit, les mains sont sur les hanches ou le long du corps. Et on fait un pas en arrière avec le pied gauche, puis on fléchit les deux jambes jusqu'à ce que le genou droit vienne pratiquement toucher le sol. On se redresse en poussant sur le pied gauche et on ramène le pied pour revenir en position de départ. Donc l'idée est d'en faire ici 15 de chaque côté et j'aime bien les faire par tranche de 5, j'ai l'impression de moins souffrir. Pour bien garder l'équilibre, pensez juste à garder le dos bien droit et à conserver l'écartement à largeur du bassin. Le genou de la jambe avant ne doit jamais dépasser la pointe des pieds. Allez, plus que 5 de chaque côté. Et 4. 3. 2. 1, on change de jambe pour les 5 derniers. 5, donc il commence vraiment à faire chaud, on n'en peut plus. 3, 2, et 1. Allez, troisième exercice de cette première série, les calf raises. Alors je sais pas si je prononce bien en anglais. En tout cas, moi j'appelle ça les remontées sur demi-pointe. Donc pieds parallèles, on se tient droit, les jambes sont tendues, on serre les fesses et on remonte sur demi-pointe en contrôle et on redescend en contrôle aussi. Donc on en a 40 à faire pour cette première série. Il faut vraiment avoir la sensation de vouloir se grandir le plus possible. Donc cet exercice est idéal pour se muscler les mollets, galber les jambes et cela permet aussi de se renforcer les chevilles. Allez, taillez-vous des jambes de danseuse les filles. Alors en principe, tout au long de la vidéo, vous allez voir des gens qui passent et qui nous regardent un petit peu bizarrement. C'est ce qui s'est passé un peu tout le long de la vidéo. Les gens se demandaient vraiment ce qu'on faisait. On fait juste du sport, tout va bien. Allez, les 10 dernières. Donc en principe, ça doit bien brûler les mollets, l'arrière des cuisses. C'est normal, hein, c'est normal. Donc 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Quatrième exercice, les squats sumo. Donc le principe est le même que les squats classiques, sauf que l'ouverture est bien plus grande, les pieds sont bien en ouverture. Le dos droit, on fléchit et on pousse les fesses encore en arrière, comme si vous alliez vous asseoir loin. On pense bien à ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur, toujours les genoux vers l'extérieur lorsqu'on fléchit. Pensez bien à vos ouvertures. Cet exercice permet de travailler les fesses, les adducteurs, cela permet d'affiner l'intérieur des cuisses.
On pense à bien inspirer lorsqu'on descend et on expire lorsqu'on remonte. Allez, il n'en reste plus beaucoup. Tenez le coup, les filles. Allez, 6, 5, 4, 3. Descendez toujours bien bas. 2. Et le dernier. Bravo. Allez, avant-dernier exercice de cette série. Donc, une minute de planche. Les coudes se placent au sol et sous les épaules. Le corps est entièrement gainé. On pense à bien respirer en rentrant son ventre. Veillez à la hauteur de vos fesses dans cet exercice, pas trop haut ni trop bas. Vous devez vraiment réaliser une planche parfaite. Donc cet exercice est excellent pour avoir un ventre plat. Si cet exercice devient trop difficile, n'hésitez pas à poser simplement les genoux et vous continuez. Il ne faut rien lâcher. Vous voulez ce ventre plat ? Allez, là, c'est que du mental. Allez, plus que 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez lâcher. Allez, dernier exercice de cette série, donc je vais vous donner à fond, c'est le travail du bassin relevé, je l'appelle comme ça. Donc allongé au sol, les pieds sont devant les fesses, écartés largeur de hanche, on pousse le bassin vers le haut et on va ouvrir et fermer les cuisses en conservant bien la hauteur. Donc surtout ne descendez pas quand vous ouvrez et vous fermez. Donc en principe, ça brûle bien au niveau des fesses et tout l'arrière des cuisses. Donc je vous donne le rythme, donc on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre. C'est assez rapide. Donc c'est pour ça que ça va vraiment vous brûler si jamais vous maintenez bien la hauteur. Cet exercice permet également d'affiner tout l'intérieur des cuisses. Allez, les 10 dernières, donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on reste, on reste, on reste, et on relâche. Félicitations à toutes celles qui sont restées avec nous, vous avez fait la première série, donc le but de ce challenge, c'est de refaire cet enchaînement 3 fois en tout. Oui, parce que sinon, une fois, ce serait trop facile. Alors, je vous invite à cliquer pour faire vos deux autres séries. Personnellement, je finis carrément en nage et le lendemain, j'ai même des courbatures. Alors pour toutes celles qui se lancent dans ce challenge, partagez vos photos, vos impressions sur Facebook ou sur Instagram. Ça me fera vraiment trop plaisir de vous voir faire mes routines. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le cadre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao !